Changer le monde commence par l'amour avant de vouloir changer les institutions. Père Sérac. Enfin sur le terrain, nous entamons un chantier dans le village des lépreux. Nous commençons par des fondations. Est-ce un signe? Il faut agrandir les maisons, construites il y a plusieurs années. Elles sont minuscules. En effet, une famille entière s'entasse dans 3 mètres sur 2. Nous nous retrouvons tous côte à côte à découvrir les toits, enlever les chevrons, la pelle et la pioche à la main. Sitôt que nous nous arrêtons, les enfants viennent se blottir contre nous. Ils rient lorsque nous essayons de répéter leur prénom. Après le travail, je prends un peu de temps pour jouer avec les enfants, leur apprendre des petites chansons, tenir un bébé dans mes bras, soigner les petits bobos et parfois les plus gros. Toutes ces petites choses si naturelles pour nous les comblent de bonheur. L'autre soir, une petite fille m'a demandé de lui faire un bisou. C'est comme si je lui donnais un cadeau. Nos amis de Vincent Nagard. 16 maisons ont été commencées. Les murs sont en partie montés. Nous ne verrons pas la fin des travaux. C'est mieux ainsi. Après nous, les maçons finiront les murs, puis viendront le charpentier et le couvreur. Nos amis qui sont d'anciens nomades de la rue et encore un peu mendiants auront enfin une maison suffisamment grande pour abriter leur famille. Grâce au travail de l'institution du Père Sérac, presque tous les enfants sont scolarisés. Un jour, peut-être, la connaissance les affranchira de leurs conditions de dalites. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. On dit de lui qu'aucun poète n'a su trouver les mots pour le décrire. Je les comprends le voyant enfin. Le Taj Mahal, ce grand mausolée moghol, symbole de l'amour,
exprime force et délicatesse avec son marbre blanc finement ciselé, tellement pur qu'il est presque transparent. Ressemble à toutes les capitales, belles avenues dégagées au centre, quartiers populaires et grouillants en périphérie. Dans ce quartier appelé Sadar Bazar, aucun touriste. C'est en effet un quartier de grossistes où nous sommes venus acheter des fournitures pour notre atelier. J'en ai ces gros endroits, à l'endroit où ils naissent. Est-ce que les gens naissent ces gros endroits, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Jodhpur se situe à l'ouest du Rajasthan, à la lisière du désert de Thar. La ville est une mosaïque de bleu indigo surmontée d'un énorme fort de grès rose. Mmh.
Ici, nous avons l'impression que la page d'histoire des palais des mille et une nuits vient juste de se tourner, comme arrivé un peu trop tard. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, est la divinité qui enlève les obstacles. Lors de cette grande fête annuelle, on immerge des statuettes en terre, selon un rituel identique dans tout le pays. Cochin est dans l'état du Kerala, au sud-ouest de l'Inde. C'est ici que le portugais Vasco de Gama a accosté après avoir découvert le cap de Bonne-Espérance. À Munnar, aussi loin que porte le regard, sur le moindre flanc de montagne, même le plus escarpé, les théiers forment un tapis de velours craquelé aux nuances de vert infini. La région ressemble à un immense jardin anglais. C'est la récolte de thé. Hotte sur le dos et cisaille à la main, les femmes travaillent avec ardeur au milieu de ces jardins abrupts. Le thé est pesé, elles sont payées à la tâche, pas une feuille ne se perd. Thank you.
do.